Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on pêche en stalking et je suis avec monsieur Jérémy Boissière. Un peu trop sérieux, je trouve. Ouais, un peu trop sérieux parce que lui, dans les vidéos, ça, vous avez vu, le Père Noël. Hein. Donc, vous avez vu plusieurs fois Jérémy Boissière, je pense, dans les vidéos Matrix. C'est très instructif, vous avez appris plein de choses comme moi quand on a commencé la pêche au feeder. Donc aujourd'hui, je l'ai invité pour une pêche en stalking, donc c'est un peu différent, c'est un peu plus atypique de ce qu'il fait par rapport à d'habitude, même s'il a fait beaucoup de choses plus atypiques que ça. Mais aujourd'hui, voilà, on est du côté d'Aix-en-Provence, on va pêcher la carpe en stalking. Bon les amis, je vous reprends, c'est un poisson, je vous laisse sur ces belles images. On se retrouve à la fin de la vidéo. Les amis, on ne change pas. Toujours au pelette cône avec un bonhomme de neige. Donc là c'est un hameçon de 8 sans argillon avec un cheveu de 2 cm à peu près où je vais mettre une bouillette dense et une pop-up en dessus pour équilibrer. Le bas de ligne là fait à peu près 25 cm. Juste attacher ça sur la grave de la torsade. Je crois que je suis derrière un rocher en plus. Non, c'est pas grave. On va le faire. On va juste lever le poisson en direct. Oh, what? Je sais pas. Elle est sortie de l'eau. Sans argillon. Une jolie commune pour commencer. Je suis persuadé qu'il y en a d'autres. Ça sera au nombre. Hein. Ouais. Les mecs viennent en faire un. Oh, ça sera au nombre. Ta canne. Ah là là, Zat. Ça me l'a jamais fait encore. Alors moi je le fais, mais. Ouais. Pas gros. C'est un carassin ou quoi? Petite carpette. Ouais. Une commune. Ça va. Elle est belle en fait. C'est pratique ça. Non, faut que j'évite de donner trop d'angle à la canne là comme ça. Faut que j'évite de donner trop d'angle à la canne comme je fais là.
Les amis, une autre commune, tout en longueur. Elle est petite celle-là, elle fait même pas les 3000. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Elle est venue toute seule sur la berge. Bon, ici, ça doit faire 4 ans que je pêche, 4-5 ans. Et ces poissons-là, en fait, tu les... Enfin, avant, je pense que c'est les... ils étaient comme ça, quoi, tu vois. Ouais, ça grossit vite. Moi, je les ai vus grandir, quoi. C'est ça qui est trop bon, quoi. On se te tape. Ouais. On se te tape. Ouais, j'ai galéré à la rattraper en plus. Qu'elle est dans ton fil. Bon, vu la largeur de la queue, elle est pas mal. Mais c'est pas les plus grosses encore. Je peux la faire 6 peut-être. Je mets les bossus comme ça. Commune ici, c'est des fusées ambulantes. Voilà une autre commune. Ah, celle-là est un peu plus grosse, d'approcher des 6 kilos. Bon, c'est pas les plus grosses, hein, mais on a fait un beau combat. Super poisson. Bon, je souhaite à Jérémy de faire une aussi grosse. Hein. Ça va venir, j'espère. Ouais. Et toute bossue. Allez, on va vite la remettre à l'eau. C'est détendu. Non. Oh putain, je la décroche. Non. Oh non. Ah, c'est au moment où j'ai frondé, c'est pas. Oh non. C'était une carte. Ah ouais, j'ai vu, ouais. Ah, mais tu sais, au moment où j'ai frondé, c'est reparti. Hein. Donc voilà les amis, la session est terminée. Donc on a pêché aujourd'hui avec Jérémy en stalking. C'est une première pour moi, je suis très content de l'avoir invité sur ce spot de pêche. Malheureusement, il n'y aura pas de poisson pour Jérémy aujourd'hui. Par contre, il s'est très bien accommodé le lieu de pêche. Donc on a essayé plusieurs techniques. C'est vrai que Jérémy connaît beaucoup plus de choses. Donc il m'a proposé de tester différentes techniques et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, même son amorce était super. J'ai adoré son amorce un peu verte là, il faudrait que je teste ça avec vous en vidéo. Du coup voilà, on a très bien parlé, moi j'ai appris beaucoup de choses par contre. Et puis voilà, moi l'essentiel pour moi c'est que quand même il est passé un bon moment malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de poisson pour lui. Moi c'est vraiment un coup de chance, je suis arrivé ce matin, j'ai pêché sur un lieu, un spot que je n'ai pas amorcé au préalable. Mais au final les poissons avec la pluie de ces derniers jours s'est déplacé sur mon spot. Voilà, c'est la première fois que j'ai fait du poisson sur ce spot là. Donc c'est très bizarre, mais bon, voilà, mais, de toute façon c'est la pêche, hein, c'est comme ça, c'est le jeu, voilà. Le plus important, voilà, c'est d'être au bord de l'eau le week-end et de profiter de ces bons moments. Et merci Jérémy, merci à toi d'être venu, c'est super, et j'espère également qu'on pourra se faire une pêche lorsque je me déplacerai vers chez toi, vers le Gard, vers le Vaucluse, un peu plus haut, quoi. Et après, si tu veux revenir, n'hésite pas. Au beau jour, je sais que ici ça marche très bien, voilà, notamment quand les eaux se réchauffent. Là, c'est vrai qu'on est en plein hiver, il a plu,
Et il a plu même pendant la session, il y a eu des averses. Heureusement qu'on n'a pas eu de vent, mais bon, voilà, c'est la pêche, c'est comme ça. Merci Jérémy, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao.